Salut à tous, Batman Fitness de la vérité, j'espère que vous allez bien, tranquille. Mon repas de ce soir, c'est mon troisième repas que je bouffe, je viens de manger il y a 1 heure de ça. Donc, je vous présente mon assiette. J'ai déjà un colin d'Alaska, j'ai des pommes de terre avec un peu de vinaigrette. Donc, après, j'ai mon gros gâteau qui est emballé, qui a été offert. C'est un sacré morceau. J'ai yaourt ou morceau de gâteau. J'ai mon yaourt à la grecque et banane et deux clémentines. Donc, ça me fait 4, 5, 6, 7, 8 desserts. Et mon verre de cooker, mon verre de cooker, la 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 la. Ouais, je suis en train de mater le match Real de Madrid. C'est là. Très très bon. Hein, que je bouffe. Colada d'Alaska au citron, ça passe comme de la vache qui rit. Ouais, faut manger. Ouais, j'ai fait une bonne séance biceps triceps que j'ai pas pu filmer les exercices parce que c'est toujours la même chose, comme ils m'ont dit. Certaines personnes, moi aussi je trouve, je fais toujours la même chose. Il y aura pas mal d'idées, j'ai pas mal d'idées dans ma tête, que de petit à petit, ça, plus les abonnés montent, plus j'ai des idées, plus je vais réfléchir, plus je vais vous faire plaisir, plus vous allez passer des bons moments en regardant mes vidéos. Ce qui est important, c'est vous regarder, vous rigoler. Je vais répondre à un commentaire. Le gars, il m'a dit que j'étais mauvais au conseil sportif, en musculation, mais j'étais un bon acteur. L'acteur. Moi. J'aime bien rigoler. J'aime bien rigoler, ben, chez moi, c'est ça. Donc, je vais pas rigoler avec n'importe qui ou je vais faire le malade mental. Ah, non. Moi, je vois quand les personnes veulent rigoler. Moi, il faut des tests classiques, on rigole. Hein. Oh là là En effet, pour rigoler, il faut vous sortir les doigts du cul. Les doigts du cul, sortez-les comme ça. Ouais, le mois prochain, il y a la Saint-Valentin. Encore les michetonneuses vont venir gratter les mecs. Après, ciao. Très très bon. Regarde, le mois dernier c'était bonne année, joyeux Noël. Je sais pas si c'était vendredi ou samedi, la fête de Galette des Rois. Le mois prochain, Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est du commercial, c'est du people. C'est pour vendre tout ce qu'ils ont perdu au mois de décembre. Un chiffre d'affaires.
et déstocker. La Saint-Valentin, si vous aimez bien votre femme, vous lui offrez quand vous voulez. Encore une petite idée. Vu que les chambres d'hôtel n'ont pas assez grand monde, c'est pour ça que le 14 février, ils font la Saint-Valentin. Ils vont aller réserver les chambres d'hôtel. Vu que les préservatifs et lubrifiants, je vais pas sortir parce qu'il y a des gamins, il y a une date qui va se périmer. Un exemple, je vais dire au mois d'avril, ça va se périmer. Pour ça qu'ils font des cadeaux au mois de février. Pour moi, c'est pas la Saint-Valentin, c'est la fête des michetonneuses. Ah oui, faut pas être con, hein. Ah ouais, faut pas être con. Voilà, mon assiette fait finir. Je vais aller déballer mon gros gâteau framboise. Donc, je vais attaquer mon gâteau. De la balle atomique. On sent bien la framboise. On va revenir sur la Saint-Valentin. C'est de la thyménique. C'est quand même manigancé les boîtes de nuit. C'est mal terre. Brassard jaune. Après, c'est la fête du slip. Pour moi, le jour de Saint-Valentin, c'est la fête des michetonneuses. N'y a pas de mot à dire, c'est ça. Ah oui. Ah oui, les people. Qu'est-ce que je bouffe? Moi, j'ai des destroy. Voilà. Fini. Pomme, façon tarte. Tatin.
La bombe. Voilà. Oh, franchement, les pupelles, si je vous dis la vérité, ce que j'ai mangé, c'est qu'une feuille de salade. Hein. Ah, ça. Oh, j'ai rien mangé. Hein. J'ai le sirop d'agave. Pardon. Yaourt à la grecque. Moi, j'arrête de fumer, je deviens un Golgoth, je deviens un monstre. Après, il manque plus que la femme à la maison. Inch'Allah. Si j'arrête de fumer, je deviens un monstre. Je deviens un monstre. Clémentine. Oh, pour moi, j'ai rien mangé, putain. Elles sont bonnes. J'ai une période où je mange. J'ai une période où je mange moins. Moi, dans ma tête, je me dis, allez, il faut que je fasse, faut que je mange, faut que je prenne de la masse pour soulever du lourd en salle. Voilà, la clémentine, c'est la deuxième. Ah, comment ça choper cette grippe de merde?
de banane. Voilà, regarde, après que je vous montre les déchets qui restent. Bonne banane. C'est rien, pour moi c'est pour moi c'est un plat de salade ça. C'est un plat. Alors, j'ai mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desserts. Voilà, dans les desserts. Sur ce, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait énormément plaisir. I wanna two biceps, big arm, big chest. Bye bye, à la prochaine.